Bonjour à tous. Donc là, je vais vous montrer comment rajouter une variable aléatoire pour construire un message particulier que vous allez transmettre au publisher AMQP pour AbitMQ. Tout simplement, vous rajoutez un préprocesseur GSR, vous mettez le bout de code qui vous intéresse. Donc là, vous construisez un message bien précis, par exemple. Qui va prendre un timestamp à un instant T, qui va générer une valeur aléatoire, et il va mettre le contenu dans une variable appelée random string, c'est le message final en fait. Et ce message final, bah, c'est celui qu'on va envoyer dans le message Rabbit, ici. Du coup, quand je vais lancer mon test, eh bien, c'est ce message-là qu'on va retrouver dans la file que j'ai définie dans ma configuration AMQP. Du coup, quand je vais récupérer mon message, eh bien, je vais avoir un message qui a cette forme-là, donc avec le timestamp et les valeurs qui ont été rajoutées. Voilà, c'est tout. Et merci pour votre attention.